Programmer, c'est quoi? C'est définir des instructions qui devront être réalisées dans un ordre donné. Avec la programmation, on peut programmer sa journée, faire danser un robot, analyser du texte pour générer du son, faire un petit site e-commerce, entrer dans son bureau, prendre un café, faire des jeux vidéo, imprimer en 3D, faire des objets connectés, streamer de la musique, faire décoller une fusée. En fait, la programmation est un outil tellement généraliste que presque tout ce qui nous entoure est ou peut être programmé. Pro tip. Quand on parle de programmation, on peut dire code, développement, du dev. Mais pas du codage. Il existe de nombreux langages de programmation. Chacun a ses spécificités, mais tous partagent des principes communs comme des boucles, des fonctions, des variables. Aujourd'hui, nous allons utiliser le langage JavaScript pour faire du graphisme interactif. Le JavaScript est un langage de programmation du web, donc pas besoin d'installer quoi que ce soit. Votre navigateur, comme Chrome, Safari ou Firefox, suffit. Pour nous aider, nous allons utiliser une librairie JavaScript appelée p5.js. Une quoi? Une librairie JavaScript, c'est un ensemble d'instructions et de variables prédéfinies qui vont nous aider à faire notre programme plus facilement. Pour programmer notre dessin interactif, il nous faut un éditeur de texte pour écrire notre programme et un interpréteur, notre navigateur. Pour simplifier, on va utiliser le site editor.p5js.org qui nous propose à la fois un éditeur de texte, ici à gauche, et le résultat de notre programme quand on clique sur le bouton play à droite. L'éditeur contient une structure de programme par défaut avec deux fonctions, setup et draw. Une fonction, c'est une structure qui commence par le mot-clé fonction, suivie du nom de la fonction, des parenthèses, et permet de regrouper plusieurs instructions dans un seul bloc délimité par des accolades. La programmation, c'est surtout une histoire de syntaxe. La fonction setup s'exécute une seule fois quand on appuie sur play. Ensuite, la fonction draw s'exécute en boucle jusqu'à ce qu'on arrête notre script. Cela devrait rappeler des souvenirs à ceux qui ont déjà utilisé une carte Arduino. Ici, on voit qu'il y a déjà deux fonctions. CreateCanvas, qui définit la taille de notre dessin, ici 400 pixels de largeur par 400 pixels de hauteur, et Background, qui applique une couleur de fond. On va programmer une mini-machine pour dessiner avec sa souris. Si on retourne dans la documentation, on voit qu'on a accès à de nombreuses fonctions, notamment pour dessiner des formes. Par exemple, la fonction ellipse, qui permettra de dessiner des ellipses. Ici, on voit la syntaxe à respecter et les différents paramètres à spécifier pour utiliser la fonction ellipse. On va donc écrire ellipse, une parenthèse, le premier paramètre qui est la coordonnée sur l'axe X, l'axe horizontal, par exemple 100, une virgule, le second paramètre qui est la coordonnée sur l'axe Y, l'axe vertical cette fois, par exemple 200, une virgule, le troisième paramètre qui est la largeur de l'ellipse, par exemple 50, et on n'oublie pas la parenthèse fermante. Si on clique sur Play, on a notre dessin qui apparaît et on a bien notre cercle. P5.js nous donne aussi accès à des variables pour avoir la position de la souris, mouse X et mouse Y. On peut donc s'en servir pour que le cercle suive la souris quand on bouge. P5.js nous donne aussi des fonctions pour styliser les formes, par exemple la fonction noStroke, pour que notre cercle n'ait pas de trait de contour. Si on veut qu'il ait un fond noir, on utilise la fonction fill avec comme unique paramètre 0 pour dire noir. Pour que notre rond agisse comme un pinceau et laisse une trace quand on bouge la souris, on va enlever la fonction background. Maintenant, on pourrait par exemple décider de donner une épaisseur aléatoire à notre tracé. On utilise le mot-clé var, on donne le nom qu'on veut à notre variable, par exemple size, on met le symbole égal et on utilise une fonction de p5.js qui s'appelle random, avec deux paramètres, la valeur minimale qu'on souhaite, virgule, la valeur maximale et la parenthèse fermante. Enfin, il suffit dans notre fonction ellipse de remplacer le diamètre de notre cercle par la variable size qu'on vient de créer. On peut procéder de la même manière si on veut que la couleur soit aléatoire. Pour que le tracé se fasse seulement quand le clic de la souris est appuyé, on va rajouter une condition. Si on se réfère à la documentation de p5.js, on voit qu'on a à disposition une variable mouseIsPressed qui vaut true, donc vrai, si le clic est enfoncé, et false, donc faux, s'il est relâché. Pour écrire notre condition, il nous faut le mot-clé if, une parenthèse, mouseIsPressed, une parenthèse fermante. Et maintenant, on va encadrer là où les instructions qui doivent s'exécuter quand cette condition est vraie avec des accolades. Pour finir, on va créer un bouton qui va nous permettre de sauvegarder notre image.
D'abord, on va créer notre propre fonction pour exporter l'image. On écrit le mot-clé function, un espace, le nom qu'on veut donner à notre fonction, par exemple saveImage, une paire de parenthèses et une paire d'accolades. Entre les accolades, on met là ou les instructions qui doivent s'exécuter dans notre fonction. Pour exporter notre dessin, p5.js nous met à disposition une fonction saveCanvas, qui prend comme paramètre le nom et le format du fichier qu'on exporte. Par exemple, myawesomedrawing.png. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer un bouton. Pour cela, on retourne dans notre fonction setup et on crée une variable pour notre bouton. On met le mot-clé var, le nom de notre variable, par exemple button, le symbole égal. Là, on va utiliser une fonction fournie par p5.js, createButton, avec comme paramètre le texte affiché sur notre bouton. Enfin, on va lier le clic sur le bouton à notre fonction saveImage. On écrit button.mousePressed, une parenthèse, le nom de notre fonction saveImage et la parenthèse fermante. Et voilà, on a une machine à dessiner et on peut sauvegarder notre dessin. Aujourd'hui, on a fait du graphisme interactif avec p5.js. Mais comme je vous le disais au début de cette vidéo, la programmation est un outil généraliste qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. Il existe des milliers de librairies pour vous aider à faire de l'intelligence artificielle, de la création sonore, de la réalité augmentée, de la visualisation de données. À vous de coder ! C'est pas du codage !